Salut à tous, une vidéo qui m'a été plusieurs fois demandée depuis que j'annonçais que je reprenais temporairement la génération des ISO de Tuxenvap. C'est comment tu fais pour générer une image ISO de Manjaro? Donc, dans ce but, je vais vous montrer comment utiliser les Manjaro Tools pour remasteriser légèrement une image ISO. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on va remasteriser logiciellement une Manjaro XFCE. Parce que les modifications que je vais faire, c'est celle-ci. Voilà, je vais retirer quelques trucs, en ajouter d'autres et modifier certains trucs. Voilà ce que je vais faire. C'est principalement les modifications que je vais mettre en place. Pour créer une image de Manjaro, il faut déjà avoir une Manjaro installée. C'est une base. Voilà. Et on va utiliser les Manjaro ISO Tools. Manjaro Tools pour, avec Build ISO. Donc voici le guide, la page du guide en question. Il y a tous les détails techniques, spécialement les plus croustillants si vous avez vraiment envie de personnaliser plus profondément en ISO, par exemple, changer le fond d'écran, changer le shell, changer la présentation générale. Ça, je n'en parlerai pas parce que c'est beaucoup plus long à faire et ça ne rentre pas dans le cadre de cette vidéo. Voilà. Donc ça, c'est dit. À un point par rapport au build ISO, c'est par rapport à notre publication du 18 août. En clair, la veille où j'enregistre la vidéo, il y a une grosse mise à jour de Manjaro. Et il y a un point précis, les pilotes NVIDIA 304 ont été enlevés. Ce qui est ennuyeux. Il y a eu un peu de casse. Mais pour les oiseaux de mauvais augure qui se reconnaîtront, voici sur 170 votes, 170 personnes qui ont participé, les résultats. 82%, aucun problème, c'est passé comme papa dans maman. 10%, il y a un problème, mais j'ai pu le corriger. Et 8%, il y a un problème, mais je suis encore en train de le corriger. On est loin de la catastrophe. Voilà. Donc je vous montrerai comment contourner la suppression des pilotes 304. La mise à 304. Donc, je ferme tout ça. Et là, j'ai pris une Manjaro XFCE 17.1.12, mise à jour, et je vais la lancer. La première étape, ça va être de mettre en place l'environnement de compilation. On verra plus tard pour la mise à jour. Donc, par sécurité et pour gagner du temps lors de la génération de l'ISO, j'ai mis 4 CPU et 4 Go de mémoire vive. Parce que c'est un processus qui est assez gourmand. Très gourmand même. Pour vous donner un ordre d'idée, avec une machine virtuelle comparable pour compiler les ISO de Tuxenvap pour les bêta et compagnie, c'est entre 25 et 35 minutes. Entre OpenBox, MathMate et Deepin. Ce qui en dit long sur la taille des engins. Et j'ai quand même ma Ryzen 3 2200G à l'intérieur. Bon, c'est vrai, la machine virtuelle ralentit un peu, mais sur une machine réelle, j'aurais peut-être quoi? 3 minutes de différence? Donc, ça, on va le fermer sa gueule. On va installer la base. Donc, première étape, on va dans PAMAC, rajouter deux métapaquets. Voilà, qui s'appelle. Manjaro Tools Base et les Manjaro ISO Profiles Official. C'est les profils de génération d'ISO. On va les installer. Vous voyez, ça pèse 3,3 mégas. Ce n'est pas excessivement lourd. Là, par contre, je laisse pas ma couvert pour la suite par rapport à certains paquets dont j'aurai besoin pour modifier la liste. Donc là, on va dire pas Mac. Deuxième chose, je vais me créer un fichier de configuration. Deuxième chose, d'abord, copier le Manjaro Tools à l'intérieur de. Parce qu'on va compiler dans son propre espace utilisateur. Comme ça, au cas où il y en a merde, on peut toujours récupérer une version fraîche des profils. Toujours faire ça. Donc, il faut aller dans le système de fichiers, USR, Share. On cherche Manjaro Tools. Voilà. Copier. CTRL-C. Coller. CTRL-V. Voilà. Ça, c'est fait. Troisième étape. On va dire à Build ISO, l'outil de compilation, tu vas travailler avec les profils qui se trouvent là. C'est pas très compliqué. CTRL-H. On va dans .config. On crée un répertoire qui va s'appeler Manjaro Tools. Et à l'intérieur, on va créer un nouveau fichier qu'on va appeler manjaro-tools.conf.
Voilà. On double-clique dessus. Et le contenu qu'il faut lui appliquer, c'est Run DIR. Alors, Run DIR. Run tiré de soulignement DIR égale slash home, slash nom d'utilisateur, comme mon utilisateur c'est Fred, donc slash Fred. Manjaro tiré tools, où se trouvent les données de compilation. Et c'est ISO profiles. Voilà. ISO-profiles. Voilà, on enregistre et comme ça build ISO saura où trouver les informations de compilation. Maintenant, on va attaquer la personnalisation. Donc là, je reviens dans le contrôle H, je cache tout. Je vais dans ISO-profile, Manjaro et je vais partir de base XFCE. Donc il y a plusieurs fichiers. Chacun va générer une couche, parce que quand l'ISO va être généré, il va générer plusieurs couches qui vont s'accumuler les unes aux autres pour donner l'ISO final. Il y aura la couche root, la couche MHWD qui concerne tous les paquets de détection automatique matérielle, la partie live et la partie bureau. C'est-à-dire que chacune va être appelée, il va l'installer dans un répertoire spécifique, puis il va dire c'est bon, je compresse le format SQLCFS et quand tout est généré, je propose l'ISO. C'est pour ça qu'il y a quatre fichiers différents. Donc ça c'est bon. Alors, la première chose, on va modifier le package .desktop. Là, on a l'ensemble des paquets du desktop, de l'environnement bureau si vous préférez. Donc, qu'est-ce que j'avais dit que je voulais faire? Je vais remettre mon guide sous les yeux parce que Alzheimer, n'est-ce pas? Donc je vais déjà retirer XChat, MS Office Online et Steam. Donc je vais chercher MS. Voilà, c'est fait. Je cherche Steam. Automatiquement, si je les commente ou si je les enlève. Donc, dièse, ce n'est pas récupéré. Un chevron, c'est pour forcer la récupération. Si j'ai bien compris comment ça fonctionne. Voilà. Ensuite, XChat. Parce que je n'ai pas envie d'avoir XChat, parce que j'en ai pas besoin. Donc, là, je vais à XChat. Je modifie, donc je vais rechercher LibreOffice Fresh, enfin LibreOffice Style, que je vais remplacer par LibreOffice Fresh, parce que j'ai envie d'avoir une version plus récente. Voilà. Ensuite, je vais rechercher Mozilla Firefox, je vais remplacer par Chromium. Firefox, voilà. Donc, je le remplace par Chromium. Voilà, comme ça. Ensuite, ah oui, je vais remplacer VLC par SM Player. Donc je cherche VLC, vous avez compris le principe, hein, VLC, que je remplace par SM Player. Je ne sais plus où se trouve, donc par sécurité, je mets directement comme ça. J'enregistre chaque fois par sécurité. Et là, alors, Manjaro Printer, il se trouve où print. Print. Donc je cherchais la section impression, parce que j'ai envie d'avoir la totale pour la printing. Donc je vais rajouter Manjaro Printer. S'il y a des doublons, il ne va pas s'en préoccuper, il va dire votre compiler, ce n'est pas un problème. Donc Manjaro-printer, qui va installer certains trucs qui sont en dessous, mais ce n'est pas grave. GTK3 print backends, c'est plus la peine, c'est intégré dans GTK3. Et donc là, je vais juste rajouter les pilotes Fumatic qui manquent pour avoir la totalité des pilotes d'impression. Donc Fumatic DB. Donc je vais chercher Fumatic. Non, il est installé par dépendance, donc on va mettre Fumatic DB. DB non-free. DB non-free. Et on va mettre l'équivalent PPDS. Donc DB PPDS. Non-free PPDS. Voilà, vous voyez, c'est plus long, c'est ça. Et je vais mettre Gutenprint PPDS. Comme il va gérer les dépendances, il va me récupérer aussi Gutenprint au passage. Gutenprint. Mais je mets Gutenprint aussi, comme ça je suis certain qu'il le récupère. Moi, je vais mettre plus là. Voilà, ça, c'est bon.
on a notre paquet desktop qui va être modifié à volonté. Par contre, on va vérifier que les pilotes 304XX ne sont pas dans la liste du package MHWD. Normalement, on n'a pas besoin d'y toucher. Mais si il y a les 304XX d'un IDEA qui sont encore présents, ça va planter la compilation. Et ils sont présents, donc je les vire. Étant donné qu'ils ont été revirés, je les vire. Voilà, le reste, je ne touche pas. Donc là, nous avons fini notre gloubi-boulga. Et maintenant, on va dans l'éliminateur terminal et on va rentrer la ligne qui va bien, à savoir, on va déjà aller dans Manjaro Tools, et on va faire build ISO moins P, nom du profil, encore le profil qu'il faut compiler, donc XFCE. Je peux très bien prendre un KDE ou autre. Moins K Linux 414 pour avoir le noyau 14 et moins F pour être sûr certain que c'est bien la version complète qui va être générée. Et là, on est parti. Build ISO. J'ai fait une erreur quelque part. Je crois que j'ai fait une erreur quelque part. Manjaro Tools. Manjaro Tools. ISO. Bien sûr, je l'avais oublié. Donc, c'est un petit oubli. Donc, vous voyez, il faut toujours faire gaffe. Et maintenant, ça va bien sûr se lancer. J'avais cru les avoir installés, c'est con, mais non. Mais un coup de pas. Et là, si on relance, c'est bon. Il va demander le mot de passe en sudo. Et là, il va s'occuper de chaque couche. D'abord la root, puis desktop, puis live, puis MHWD. Il va faire des fichiers SquashFS, les compiler et le mettre à des ISO terminés dans un répertoire. Donc là, je vous montre juste la première étape. Je mets la vidéo en pause et après, je vous donnerai rendez-vous dans 25 minutes environ, le temps que les ISO soient entièrement générés. Si tout se passe bien, croisons les doigts. Et bien sûr, je testerai l'ensemble au passage. Voilà. Il récupère chaque couche, la traite, l'installe dans un répertoire spécifique. Et après, clac, 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 il continue jusqu'à l'épuisement des fichiers. Mais vous avez vu là, c'est vraiment, je vous ai montré une personnalisation très simplifiée. Et vous verrez le résultat. J'attends qu'il fasse ça, qu'il fasse l'installation, et quand il va attaquer la deuxième étape, je mettrai la vidéo en pause. Désolé, c'est un peu long, mais au moins vous voyez comment une ISO Manjaro se génère, du moins les premières étapes. Parce que pour ôter 30 minutes devant une ISO de compilation d'une ISO, c'est super passionnant. N'est-ce pas? Donc surtout, n'oubliez pas d'installer tous ISO comme moi. Je vous ferai des claques, vous inquiétez pas. Et je me flagellerai avec une boîte de Windows Vista pour l'oubli. Oui. Donc vous voyez, il récupère la première couche. Il va l'installer dans un répertoire spécifique et après ça, il va attaquer la deuxième couche. Et ainsi de suite. Puis la troisième, puis la quatrième. Et quand l'ensemble des couches sera généré, il va tout compresser et va dire c'est bon, t'as l'image ISO dans ton endroit. Là, je vous laisse juste montrer cette partie-là. Et après, vidéo en pause. La première couche est assez rapide, mais après, c'est 700 paquets et c'est un peu long. Là, il génère la première partie des hooks et compagnie. C'est à peu près le même principe qu'ArcISO, mais en plus, dirons-nous, développé. Donc, est-ce qu'il va me finir les 15 paquets, tranquillement?
Voilà, où tu as fait cet temps généré. Et maintenant, je vais juste vous montrer le nombre de paquets. Voilà, vous avez quand même, il récupère 900 mégas. Donc, il est 17h02. Je mets la vidéo en pause et je vous dis rendez-vous dans 25 minutes environ pour la suite de la vidéo. A tout de suite! Voilà, il est 17h30, donc 28 minutes sont passées et l'image du jeu a été générée. Vous voyez, ça a pris une petite demi-heure. Et comme je vous disais qu'il y a des espèces de couches, comme des pièces d'un puzzle qu'on assemblait, voilà, je vous montrerai rapidement la sortie de la préparation. Voilà. Vous avez par exemple la couche route et fesses. Vous avez la couche MHWDFS. Je vais descendre un tout petit peu. Voilà, vous avez la couche MHWDFS. Vous avez la couche route et fesses, la couche MHWD, la couche live, desktop et compagnie. Vous avez toutes les couches qui ont été assemblées. Et donc, l'image générée se trouve dans Varcache. Donc, on va copier cette image ISO dans notre répertoire utilisateur. Je ne sais pas combien elle va peser. Là, je pense qu'elle va être pas très loin de 2 gigas. Donc, là, j'ouvre un nouvel onglet. Il nous dit Varcache. Varcache Manjaro Tools ISO Manjaro XFCE. Voilà. Mais pour ça, tu vas m'ouvrir, oui. Donc, nous avons deux fichiers. Donc, l'image fait 2 gigas. Donc, je récupère ça. Copier. Ou comme si vous préférez, clic droit. Copier. Et je le colle ici. Et j'ai mon image ISO générée. Que je vais renommer. Histoire de pouvoir faire la différence avec les images ISO que je peux avoir sur mon disque dur réel. Et je vais passer par ma Freebox pour transférer une image ISO. Ce sera plus rapide que de passer par une clé USB. Donc, pendant qu'il me fait ça, je vais me connecter à mon réseau. Voilà, ma Freebox. Mon disque dur. Se connecter. Voilà, et normalement, là, je vais aller ici. Dans quelques secondes, l'image ISO sera recopiée. Donc, je vais la renommer. Allez, on va la renommer la Fredix. Comme ça, au moins, j'aurai un nom différent. Et là, je vais la copier sur ma Freebox. Donc vous avez vu, une petite demi-heure pour générer l'image ISO XFCE allégée. Bon, c'est pas excessivement long, mais c'est quand même pas donné. Donc là, je vais me connecter sur ma machine réelle. Voilà. Là, je vais mettre ici. Le temps que la Fredix se copie, voilà, vous avez mon répertoire utilisateur. Mais par contre, je n'irai pas plus loin. Bande de cailloux. Ah oui, tant que j'y pense, c'est pas parce que je vous ai montré comment régénérer une image ISO à peine revampée qu'il faut en profiter pour faire des DGLFI, hein, bande de cailloux. Si vous faites ça, je vous jure que je vous retrouverai. Et il ne faut pas me chercher. Je peux être très vache. Non, évitez quand même de faire des images ISO pour un oui pour un non. Il y en a déjà suffisamment sans rajouter une petite dose supplémentaire. Voilà. Et puis vous savez, être flagellé avec une boîte de Windows Vista, c'est un plaisir de fin gourmet. Désolé. Bref. Donc l'image ISO est copiée. Elle est copiée. Donc là, je vais pouvoir fermer ça, éteindre cette machine virtuelle. Et là, je vais me recopier l'image ISO. La Fredix. Voilà, et je la déplace directement sur mon disque interne. Donc elle est légèrement plus grosse que l'image ISO officielle de Manjaro. Enfin, à peu près dans la même ISO. Pendant que l'image ISO se générait, j'ai créé une machine de test avec 2 Go de mémoire vive, 2 CPU, et qui va accueillir l'ISO de test. On va vérifier qu'elle fonctionne bien. Parce que merde, c'est la moindre des choses. Et là, je vais faire l'installation
en complet. Donc ce sera un peu long, mais au moins on pourra vérifier que les réglages que j'ai mis en place ont bien été respectés. Voilà, donc là, je débranche mon disque dur externe. J'insère. Non, ça, c'est mon répertoire, vous n'avez pas besoin de savoir ce qu'il y a dedans. J'insère la FedEx. Ouvrir. Voilà, la FedEx est installée. Et maintenant, on va la démarrer. Et on va serrer les doigts. On va croiser les doigts et serrer les fesses. Donc, super, déjà, on a le grub de la Manjaro 17.1 quelque chose. Le clavier aussi en français. Pour le fuseau horaire, on s'en fout un peu. C'est pas grave. Et on va démarrer tout ça. Donc, là. Donc, ça démarre. Super. C'est déjà un bon point. Un très bon point même. Le démarrage est un peu long par rapport à tout ce qui est détection des matos. Normalement, ça va pas tarder. Et normalement, on doit être dans une session Manjaro XFCE, tout ce qui est de plus classique. La preuve. Donc, on va dire, on voit bien que c'est une version 17.1.12. Et là, bon, j'aurais peut-être pu virer le Manjaro Architect Installer parce que, vu l'utilité. Bref, donc je vais lancer l'installateur Calamaris. Suivant. Bon, le truc habituel, là, je vais pas non plus m'attarder dessus. J'y vais à la va-vite et à la hussarde. Fredo Manja, simplement. Bam, suivant, installé. Donc, on va démarrer les 25% et on va vérifier après que mes modifications, style remplacement de Firefox par Chromium, style plus de Steam, style plus d'outils LibreOffice, ont bien été prises en compte. Donc là, on va voir ça. Internet. Oh, un Chromium! Est-ce qu'il y a Steam? Oh, il n'y est plus! Est-ce qu'on a les outils Microsoft Office? Oh, ils n'y sont plus! Donc apparemment, ma remasterisation a fonctionné. Donc on va attendre, on va dire 3 minutes que l'installation se termine. Mais vous avez vu, j'ai simplement remasterisé et apparemment ça fonctionne. On va aussi vérifier que les paquets que j'ai mis sont bien présents. Ça permettra de poroter un peu. Donc tout ce qui est Fumatic. Fumatic, c'est bon. Manjaro Printer, pareil. Donc ça sent très bon. Là c'est un peu long, très long même. Donc je m'excuse pour cette partie un peu dynamique de la vidéo, parce que je veux bien vous prouver que je fais l'installation avec l'image ISO générée. Point barre. Qu'on ne dise pas que tu as triché. Donc, si vous avez besoin un jour de remaster une ISO de Manjaro, que ce soit Manjaro XFCE, KDE, GNOME ou une communautaire, il vous suffit d'avoir les profils, de faire une copie et de personnaliser comme ça vous en avez envie. Vous n'avez peut-être pas besoin des outils Microsoft Office, vous n'avez peut-être pas besoin de Steam, vous avez peut-être des envies de rajouter ci, de rajouter ça. Mais attention, ne rajoutez pas 3 trillions de paquets, sinon vous allez vous retrouver avec une image ISO monstrueuse. Et la première mise à jour, vous allez vous dire, putain, pourquoi j'ai 3 gigas de mise à jour? Voilà. Tout simplement. Bon, bien sûr, j'aurais pu montrer comment personnaliser un scale et compagnie, mais comme je l'ai précisé plus tôt dans la vidéo, ce n'est pas le cas de cette vidéo. C'est juste pour vous montrer comment avec Build ISO, on peut remasteriser à ses besoins une image ISO. Une remasterisation simple, basique, mais c'est juste pour vous montrer comment on peut faire. Ah, dans un cadre purement familial. Pitié, ne les publiez pas sur DistroWatch. Pitié!
Parce qu'il commence à avoir marre. Hein. Bref. J'aurais pu très bien remasteriser une Manjaro pour lui donner une apparence de Xubuntu, par exemple, dans les grands traits, et après la proposer. Mais bon, pourquoi faire, après tout? C'est pas une mauvaise idée, finalement. Non, non, non. Je ne le ferai pas. Ah, ça y est, il attaque en fait 26%. C'est vrai, par contre, si l'équipe de Calamares pouvait trouver un truc pour faire des trucs un peu plus rapides par rapport à ça, hein, ça serait pas si mal que ça. Et j'avoue que je serais preneur. Voilà. Enfin, c'était plus rapide que je le pensais. Pour le moment, tout fonctionne. Donc, mis à part par petite erreur au début de ne pas avoir mis les Manjaro tous ISO, je pensais les avoir mis, c'est con. C'est pas super compliqué de se masteriser une ISO. Le tout, c'est de rester prudent. Et ne pas faire un truc à la Arch Experience où vous vous retrouvez avec 350 paquets en provenance d'AUR. Et des images ISO qui pèsent à 5 Go pour une version light. N'est-ce pas? Désolé, je citais le pire du pire. Quoique dans le pire, on peut toujours creuser et encore trouver pire. Ouais. Voilà, donc là, normalement, il n'y a pas tardé à terminer. Et si vous le demandez, non, cette image ISO ne sera pas en téléchargement. Non. Elle sera détruite après la fin d'enregistrement de la vidéo. Voilà. Donc, tu avances ou tu recules? C'est toujours les 1% qui sont les plus longs. Les personnes qui disent plus c'est long, plus c'est bon, je répondrai une chose. Pas quand on est sous le fauteuil du dentiste. Par exemple. Voilà, ça y est. Il s'est décidé enfin de passer à démultiplier. C'est bon, on peut redémarrer et normalement, on aura notre ISO personnalisé qui va se pointer. Enfin, l'installation basée sur notre ISO personnalisé qui va pointer le bout de son museau. J'aime quand l'informatique fonctionne. J'aime ça. Donc, première chose que je vais faire, c'est rajouter des paquets linguistiques. Ça montre des choses quand même. Histoire d'avoir un système traduit. Donc, merci, je sais. Donc, on va lancer le gestionnaire de paramètres Manjaro. Voilà. Gestionnaire de paramètres Manjaro et je vais installer des paquets linguistiques manquants. Et on peut vérifier pendant qu'il installe que la personnalisation logicielle que j'ai appliquée
est toujours valide. La preuve. N'est-ce pas? On va lancer le SM Player. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'avais personnalisé? Donc, en bureautique, il n'y a toujours que le strict minimum, à savoir LibreOffice. Il n'y a pas de MS Office Online. Steam, il n'y est pas. Skype, pas mieux. Donc, voilà. Et je vous prouve bien que j'ai mis une version fraîche de LibreOffice. Donc, bureautique, LibreOffice Writer. Et il va se lancer une version 6.1 en français. Voilà. C'est bien une version 6.1. Par contre, c'est pas les réglages par défaut. Donc, option. Dernier truc que je vais vous montrer. Non, c'est peut-être, non, c'est pas ça. Affichage. Ah, c'est automatique. Non, c'est inventory maintenant, en automatique, je crois me souvenir. Ouais, c'est ça, en automatique. Et je vais mettre dans les préférences, mais je vais juste activer le mode toolbar, enfin, le mode ruban à la sauce MS. Je vais mettre automatique, Tango. Et alors, option avancée, activer. Voilà, ok. On va redémarrer. Et je vais activer par exemple le ruban à la Microsoft. Option. C'est un des trucs que je ferai dans la vidéo, bien sûr. Affichage. Alors, se trouve où? Avancer peut-être. Je sais plus où se trouve le truc pour l'affichage. Ah, c'est peut-être là, oui. Interface utilisateur, barre groupée, je crois que ça s'appelle comme ça. Voilà, la présentation à la ruban de Microsoft. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Et maintenant, je fais faire dodo à la machine virtuelle. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao!